politique. Cadre marqué pour nous connaître l'actualité politique qui est RDC. Abonnez-vous sur Narrative. Il y a et belé. Sauf que vous n'avez pas vrai vexé à politique. Il y a une narrative. Abonnez-vous sur Narrative. Avec Abigail Mukendi. Moseka de Malheur Moderne vous dit bonjour. Malandi émission Moseka Malheur Moderne Mbote. Et là, on a même le bino moussouni moko zangombe, mais na ebisi bino gounango au kanisanya mazamba. Na somba ki on a boucherie à ba brésilien, et là qui tourne ma casse, et là, pela différent na ba viande fumée au bate que la bouche na ba clémenceau wana. Oh, pela na sepe na ou ma casse. Gou ma casse. Voilà, aujourd'hui, je vous propose une viande de bœuf fumée. Tellement bluffante qu'on peut dire que c'est de la viande de bœuf façon viande de brousse. Voilà. Donc je vais vous présenter tout de suite les ingrédients qui seront nécessaires pour concocter ce repas qui n'est pas un plat light. Donc si vous faites dans le light, venez une autre fois. Tout de suite les ingrédients. Avant de vous présenter le reste des ingrédients, je voulais que nous nous attardions sur la viande que j'ai choisie pour avoir cet effet viande de brousse aujourd'hui. Donc, si vous regardez souvent mes vidéos, vous serez certainement aperçu que je fréquente régulièrement la boucherie brésilienne et les supermarchés ibériques. Eh bien, il y a une boucherie brésilienne que je fréquente, je suis cliente, et en y allant, j'ai découvert un produit nouveau qu'ils ont mis dans leur assortiment. Donc aujourd'hui on va travailler avec ce produit. Il s'agit de viande de bœuf séchée. Voilà, c'est écrit ingrédients viande de bœuf et sel. On est bien d'accord qu'il y a du sel, et donc je vais utiliser cette viande et je vais la traiter d'une certaine manière pour avoir un résultat optimal. Première étape, goûter pour se rendre compte de l'intensité du sel. Donc je vais ouvrir et je vais vous montrer de près à quoi ça ressemble. Franchement, très ressemblant à ce qu'on trouve comme viande de brousse chez nous au Congo. Voilà, je vais défaire et je vous montrerai ça de plus près. Et je vous dirai si c'est très salé, légèrement salé ou catastrophiquement salé. Voilà, donc j'ai fait ce choix parce que il y a beaucoup de polémiques autour des viandes fumées en Belgique et tout n'est pas faux. Donc, je ne vais pas trop en dire, mais vous pouvez suivre ma vidéo sur les viandes fumées. Ça donne ça, c'est très ressemblant à ce qu'on appelle au Congo Nyamazamba, sauf que c'est du bœuf. C'est très bon. Donc, je vais un peu goûter pour voir, quand on ne s'est pas encore travaillé, l'intensité du sel, pour passer à l'étape qui consistera à enlever un peu de sel. Voilà, donc je goûte. Je considère que c'est très salé. Donc maintenant, nous allons traiter la viande. Je vous montre comment on va traiter cette viande. Ensuite, je reviendrai avec tous les ingrédients, y compris la viande traitée. Voilà, donc ici il y a de l'eau. L'eau est froide. On va mettre directement les morceaux de viande. Et on va faire bouillir.
Et après, on viendra tester pour voir si la viande n'est plus trop salée. Sinon, il faudra faire un deuxième bain. Il n'y a pas d'autre miracle. Viande de bœuf, hein. Voilà. Voilà, donc ici je vais vous montrer un peu les étapes et vous raconter ce qui s'est passé hors caméra. Et bien sachez que j'ai changé l'eau 3 fois parce que cette viande est vraiment vraiment salée. Donc si c'était la 4e fois, pour moi ce sera bon. Je vous montre, mais côté goût c'est bluffant, on dirait de la viande de brousse. Attendez, je vais goûter, comme ça on sera fixé une fois pour toutes. Goûter également le jus de cuisson pour voir si c'est encore salé ou pas. Voilà, je prélève un peu de jus. Voilà, je vais prendre un morceau de viande. Vous voyez, je sais pas si vous voyez comment ça s'effiloche, ça ressemble vraiment à la viande de brousse. Je vais vous montrer ça. Vous voyez les filochés là. Ok, on va goûter parce qu'au début c'était horrible, hein. Pour moi maintenant c'est bien, tenant compte que ce sera une sauce graine qui va vraiment dominer. Et je dirais qu'il faudra pas mettre de sel, zéro sel dans cette recette si on utilise cette viande-ci. À ce stade, c'est bien dosé, ça sera suffisant pour saler le reste du plat. Vous voyez? Donc maintenant, je vais vous montrer l'ensemble des ingrédients, puis on reviendra au fourneau pour la cuisson et le reste de la recette. Pour réaliser cette recette de viande de bœuf séchée façon viande de brousse, vous aurez besoin de viande de bœuf séchée, préalablement travaillée selon la méthode que je vous ai montrée précédemment. Ici, ça a été dessalé, réhydraté et suffisamment bouilli de sorte que la viande est à présent tendre. Vous aurez besoin de sauce graine qu'on appelle en lingala moussaka, mais ici elle est en boîte parce que j'habite dans un coin où on ne trouve pas beaucoup de produits africains, sauf ceux-là. Donc je vais me contenter de ça. Si vous avez le moussaka frais, c'est encore mieux. Ou congelé. Voilà. Sauce graine, moussaka. C'est pré-cuit, donc ça ne cuit pas, ça ne reste pas aussi longtemps sur le feu. Vous aurez besoin de 200 g de tomates pelées concassées. Un mélange persil et ail, légèrement salé. C'est notre seul assaisonnement. Nous n'avons pas utilisé de cubes. Un gros oignon. Et les ngaï ngaï, autrement dit feuilles d'hibiscus ou alors oseille de Guinée. Ceci, ce n'est pas de l'oseille tout court, hein, qui est un légume qu'on trouve en Europe, donc j'insiste, hein. Sinon, allez voir ma vidéo, le ngaï ngaï n'est pas l'oseille. Donc c'est des feuilles d'hibiscus, bissap ou encore oseille de Guinée, j'insiste. On va mettre également un jeune oignon, il m'en restait pas beaucoup, c'est tout ce qui me reste, mais tout fait nombre, voilà. On se retrouve au fourneau. Voilà, la première étape, on va porter à ébullition ou carrément faire bouillir déjà la sauce graine. Elle n'est pas crue, mais c'est toujours bien de la cuire. Dans la casserole, il y avait un tout petit fond d'eau, hein, à peu près 1 cm, qui était déjà en train de frémir. Ça dépend maintenant si vous l'aimez bien épaisse ou un peu plus diluée. Moi, je l'aime bien entre les deux. Ni trop épaisse, ni trop liquide. Donc ici, ce que je vais faire, je vais rincer à l'eau bouillante. J'ai de l'eau bouillante dans mon bouilloire. Attendez, je vais vous montrer après.
Je mets à peu près l'équivalent de la moitié de la boîte d'eau bouillante pour bien récupérer toute la pulpe. Voilà, maintenant je vais mettre également mes ngaï ngaï pour qu'ils cuisent un peu et le reste je vais incorporer après dès que ça aura commencé à bouillir. Donc ça c'est notre première étape, je vous montre et on se retrouve pour la suite. Voilà, c'est important de voir la consistance. Bon, d'après moi, vu qu'on va encore mettre des éléments et que ça va être à ébullition, on peut bien rajouter encore un peu d'eau pour avoir une bonne consistance quand ça va s'évaporer. Voilà, donc je vais rajouter maintenant les prochains ingrédients. Voilà, donc je vais mettre les jeunes oignons. L'oignon, l'assaisonnement, persil, ail, sel, très peu de sel parce que cette viande-là, il ne faut pas prendre de risque. La tomate, et on va mettre notre viande fumée. Et moi, je laisse mijoter, vraiment, c'est à feu doux, ça va prendre le temps qu'il faut pour que les arômes s'imprègnent bien. Voilà, je vais vous montrer. Pour moi, je mets ça à feu doux. La viande a déjà été travaillée. Je vous montre. Ensuite, je vais ajouter un piment vert parce que j'en ai et que j'aime ça. Si vous n'aimez pas, vous mettez pas. Voilà. Et le piment vert. Voilà. Je vais laisser cuire à feu doux et on se retrouvera tout à l'heure. Voilà, nous sommes à la fin. Il faut goûter pour le sel. Vous voyez, ça vraiment le goût, c'est presque comme la viande de brousse. Les nostalgiques vont se retrouver. Voilà, c'est prêt. Notre plat est là. Bon, les régimeuses, c'est pas un plat light. C'est un plat riche. Le plat light, ce sera pour une prochaine fois. Franchement, j'ai goûté. Tout est bien. Ni trop salé. Ni trop peu. Et la viande ressemble vraiment à de la viande de brousse. Je vais vous montrer comment la viande se comporte. Vous voyez, ça rappelle vraiment le paca, ça. Voilà, ça donne ça. Vous voyez le morceau, c'est très très bon. C'est meilleur comme viande fumée parce que ça a été fait dans une autre méthode que ce qu'on connaît. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et l'émission Moseka de Malheur Moderne vous dit au revoir.
balobi narrativi ezobeta masolo ya sika marambwa sika na narrativi vous s'abonner ebele vraiment vraiment contenu yangai hein au moment na liboso na bino c'est votre humble servante hein grâce à l'outama entre ma di ma dera de la presse balobi nous salande hein les ana narrativi ndombolo o aso soa artiste nyonso balobi artiste nyonso artiste peintre musicien et comédien et on se babena qui est artiste en tout cas émission Ndombolo ezawana pona bino et vous s'abonner vous ne serez jamais déçu. Très heureux de vous retrouver très nombreux, le fidèle qui donne l'émission Monseigneur de Malewa Moderne.